contexte que, dans un contexte beaucoup plus large qui est en fait les combats pour les Philippines, où à la fois sur 3 jours, il se passe à la fois donc la bataille du détroit de Surigao, la bataille donc du détroit de San Bernardino, et à la fois donc la bataille aéronavale qui se passe entre porte-avions, avec les derniers porte-avions japonais, c'est-à-dire les 4 derniers qui restent, donc le Zuikaku, Zuyo, Shioda et Shitose, où honnêtement ils ont quasi plus rien d'avions, hein, ils doivent avoir une centaine d'avions, donc autant dire que c'est rien quand les Américains en face alignent quasiment 15 voire 20 porte-avions. Donc après, c'est vrai que c'est tout un contexte, donc c'est vrai que vu comme ça, on peut se dire ouais, mais c'était complètement inconscient de lancer des navires, se faire fracasser la tête, mais après c'était pris dans un contexte général de bataille qui n'a pas non plus été très porteur pour les Japonais, quoi, parce que dans tous les cas c'était quand même... C'était une bataille de dernière chance, de manière. Ah bah là, de toute façon, les Philippines, oui, là. Oui, c'est la bataille où ils perdent vraiment la majorité de leur. Enfin, après, il leur reste encore des navires, mais ils vont perdre tous leurs derniers porte-avions lors de cette bataille. Ils perdent le Musashi, ils perdent, vous imaginez, des cuirassés comme Fuso, Yamashiro, même si c'est des navires qui sont plutôt anciens, mais qui ont quand même une capacité assez importante. Donc, oui, ils se font. À ce moment-là, ils ont plus rien, quoi. Là, c'était pensé, moi, à la japonaise, dans un esprit un peu suicidaire, pour voilà, montrer voilà. La dernière carte. Tout à fait, ouais. C'est MacArthur qui gère tous ces aspects avec, oui, c'est avec les Philippines. Alors MacArthur, lui, gérait plutôt l'aspect terrestre des combats. Mais c'était le commandant en chef, au-delà du commandant de la flotte, non ? C'est pas Kinkai, de l'amiral américain ? Je crois qu'il est au-dessus, au Golfe de MacArthur. Lake. Pour ce qui est de la flotte, tout ce qui est maritime, je pense. Alors, honnêtement, là, j'ai plus de tête, faut juste que j'en dise ça. Donc, côté américain, le vice-amiral Kinkaid commande la 7e flotte, doit couvrir le débarquement des troupes du général MacArthur dans la baie de San Pedro. Et donc, on va dire qu'on a plutôt Kinkaid pour la partie maritime et MacArthur pour les forces terrestres. La partie terrestre. Ouais. Il y a quelqu'un en salon de briefing, je le décale. Ah oui. Oh, ça c'est un Indianapolis, ça, non ? C'est le Bougnard, il y a Indianapolis. Salut, Knapik, 71. Allo. Salut. Ah, il a un blème, ça clignote, ça. Ouais. Petit souci. Il est en mode gyrophare. Faut qu'il parle au bon moment, quoi. S'il a un navire japonais, j'autorise le gyrophare, mais... C'est notre fusée éclairante. C'est le Miyoko que je viens de ramener. Ah, super. Bah c'est... Et ensuite on descend en diagonale, colonne, enfin, en B4, C3, D2, et eux ils sont censés remonter au centre. Bon Dim, on va en colonne autour de 10. Ah ouais, à ce point là. On peut faire un peu ce qu'on veut. Mais... Splitter, on peut. Je pense que ce split c'est pas une mauvaise chose pour scouter déjà. Bah, disons colonne 9. Allez. Non, mais vous êtes pas obligé d'être collés les uns aux autres, c'est ce que je veux dire. Genre, on peut être en déploiement assez large quoi. Passe 2 minutes de déploiement. Ah mais je crois que le Benson et le Kid, vous êtes montés trop loin les gars, vous pouvez descendre hein, quand même. Mais non, ça fait une normalement ça fait une diagonale. Ouais, normalement ça fait une diagonale. C'est nous qui sommes un peu bas en fait, déjà, je crois. Okay. Normalement ça fait de là. Hein. Parce que normalement de là où nous on est, à partir de nous, il y a toute la ligne au-dessus de laquelle les cuirassés et destroyers sont... Enfin croiseurs et cuirassés sont censés être. Ah mais moi je suis pas... Parce que moi je suis pas censé être au milieu là. Faut que je rejoigne un des deux groupes de destroyers. Bah oui. Ah, autant pour moi. Je vais donc rejoindre Lucky Dalbenson. Désolé. Y'a pas de problème. Merde. Olive,
Blonda t'en veut pas que tu aies pas répondu au message. Voilà, le message est passé. Ah bon ? Elle m'a envoyé un message. Attention, toi là-bas. Un Fletcher doit mourir. 20 secondes. Le mec est chaud qui va aller fighter, tu sais. Un peu trop patate, ouais. Le Fletcher qui dérape du cul, c'est bien ça. Fletcher drift. Je roleplay. 5, 4 secondes et je lâche le boost et charge. Nous sommes prêts. Ah, y'a Général Patton. Patton s'est reconverti. L'USS Monson est prêt. Ah, une minute. Ok. Et là, vous, dans l'idée, vous allez faire demi-tour tous en même temps et refaire la même retraversée broadside, là, c'est ça ? Ah non, ils sont pas là, ils nous entendent pas les battleships. Ouais, eux ils sont censés barrer le T. Ok. C'est ça. Donc en gros, ils sont censés pas trop bouger et laisser venir les gens. C'est ça. Tandis qu'on fait un petit créneau. Monsieur Fletcher, t'es pas RP là. À quel niveau ? Normalement, t'es censé qu'avoir 13 000 points de vie. Oui, alors tu sais combien ça coûte à racheter la coque A et les torpilles hein? Ah oui, mais... Ça coûte plus oui. de 3 millions, je ne les ai pas. Allez, on les a dépensés, nous, hein, pour nerfer nos Fletchers, monsieur. Ah oui, mais moi, je les ai pas du tout, je viens d'acheter des bookies, là, donc j'avais pas du tout. Tu vois, c'est pour ça qu'il était un avantage, 16 000 points de vie. Bon, enlevez-lui 3 000 points de vie. Non, t'inquiète, je vais faire un truc après. Je vais essayer de voir... Il me reste un peu de gold, je vais voir si je peux... Attends, je t'envoie 3 torpilles, histoire de... Ah non, c'est pardon, 5. Messieurs, c'est parti les enfants. Nous, faut qu'on reste dans cette ligne-là ou faut qu'on peut aller un peu vers le milieu? Nous, normalement, faut qu'on les attaque sur le flanc. D'accord. Je crois que les battleships ont pas compris qu'ils devaient barrer le T. Hein. Bah là, non, je crois qu'ils ont pas... C'est parti. Il va 3 quarts, Dim. Ok. Vous avez claqué le boost de vitesse, le kit d'Elbenson ? Pas du tout. Non, du tout. Ok. Je vais revendre un bateau de merde tout à l'heure pour la game d'après. Pour avoir les bonnes coques, je pense. Ouais, peut-être accélérer en fait, parce que on a quand même pas trop de temps dans la bataille. Ah ouais, déjà 7 minutes en moins. On est vachement excentré quand même. Non, parce que eux ils sont à ce niveau là en fait. Oui, je sais, ils sont en face, ils sont derrière les îles qu'il y a là, ouais, je sais. Ça ping pas! Mais il y a les DD plus près, hein. Moi, y a un DD qui traîne là. Hein. Ouais, bah ils ont. Ah bah bravo, on utilise le radiolocation. Il est au centre. Ok. Eh, j'ai déjà payé 500 gold pour remettre un capitaine dessus. T'allais pas en payer 1000 pour refondre le capitaine aussi. Non, mais je t'en veux pas, ce style de capitaine est tentant. C'est qu'on va être vu après les Kagero. Ouais. De toute façon, les deux croiseurs, enfin les deux battleships, on les éclate à coups de torpille et c'est bon. Hein. Voilà. Et voilà nos fuseaux. Les fuseaux sont localisés. Il y en a que deux des fuseaux. Ah non, ils ont un. Ah oui, dans l'autre, c'est un Mogami. Oh! Oh! Il est mignon. Oh, ils sont mignons. Ça sort les avions de scout. Ouais, direct. Ça a tellement peur des torpilles.
Ah, faire gaffe au Megami, ça fait mal. Hein. Ouais, ça c'est un peu méchant. Appuyez sur P pour désactiver la DCA, hein, pour éviter de vous faire spot de trop loin. Par les avions. C'est vrai, c'est vrai. Ouh, le Miyoko, il est tout seul. On tente des trucs. Torpiller le premier fuseau. Bah j'ai mis sur le Miyoko, moi. Tu l'as à cette distance, le Miyoko ? Non, mais il va se rapprocher, t'inquiète pas. TKT. Spoutine. On va de cap ? Les mecs ont pas compris le principe. Les gars, moi j'ai l'objectif. Tac, le Miyoko. Je pense que le Miyoko et le Kuma, si on se débrouille bien à 3, on peut peut-être les outgun. Hein. Mais si on chope le Miyoko, je pense qu'on peut, on peut harasser le Kuma sans problème. Le fuseau en a pris 2 avec inondation. Il va réparer, il va prendre les tiennes. Oh, ça va prendre cher là, peut-être. J'lâche les miennes. Je passe devant, je passe le Miyoko en a pris, le Miyoko a pris midlife. Ouais, il y a une inondation pour moi, 3, ouais, elle est morte. Oh là 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 là, l'esquive! Ouf, ouf. Vous en sortez de votre côté avec le Miyoko? Bonjour Fletcher, torpille. J'ai torpillé le fuseau, hein. Rasputin, okay. Dans 20 secondes. Il a esquivé mes torpilles. Pas où est le Kagero? Ils sont pas censés avoir des scores. Il est là, le Kagero. Kagero est là. Voilà, je me suis pris le Bagdan. Merde. Torpille. Focus le Miyoko, au sud. Vas-y, le Miyoko. Le Kuma est hors de jeu, hein. Il aurait genre 5000 HP, un truc comme ça. C'est bon, il est mort. Il en reste un autre ? Bah, il y a le Kuma qui se barre, il a pas beaucoup d'HP. Attention aux torpilles. Il y a encore le DD. Ah, c'est bon, il y en a que deux. Ah, le Kuma a 8000 HP, autant pour moi. Ah, bon bah ce sera moi le mort. Ouais, je suis pas loin aussi, j'ai pris une torpe. Ah, touché. Je crois qu'il a utilisé sa réparation parce qu'il cramait tout à l'heure. Mais je suis pas sûr, donc prenez pas ça pour argent comptant. Il est pas sorti, il est pas censé se kamikaze normalement le Kuma? Le vent divin ne souffle peut-être pas. Il y a le Mogami qui me rush, les gars, si quelqu'un peut me le spotter. Ouais, on arrive. On s'occupe du Kuma et on vient t'aider. I'm alone. Ratsuyu. Oh là là, le peu. Il y a le fuseau, les gars. Mais le Kuma il passe pas un bon moment. J'avoue que là il est en train de se faire. Non! Torpille! Non! Oh bordel! Oh le torpedo bit de notre kid. Oh mon gars, elle est passée à 30 cm. Ah ouais, j'ai vu ça mec! Tu nous as fait une torpedo. Oh putain, le Mogami! Je suis en train de le rattraper l'autre. Bon, je commence à picorer le Mogami moi. Incendie sur le Kuma d'ailleurs. Ouais, c'est bon, je le finis le Kuma à la limite. Oh, j'ai le Kagero à 4 km, il va me tuer. Oh, oh, oh.
Bien joué. Désolé pour c'est l'incendie, on sait pas. Non, non, y'a pas de soucis, j'ai fait exprès de pas tirer en fait. Non, mais c'est pas une question de dégâts là, de toute façon, là faut juste les buter donc. Tu as bien fait de nous utiliser tes munitions. Si on peut taper le Mogami, parce que là. C'est dangereux quand même. Ah, mais ils ont pas le droit d'avancer les battleships. Mais c'est le colo, c'est dans leur coin, c'est un peu bizarre. Mais ils doivent rester sur la ligne, mais ils doivent faire des allers-retours là, ils sont derrière l'île, du coup ils doivent pas tirer. Bah oui, mais les gars, il faut. Ah putain. Ils ont pas barrelté du coup. Ah non, pas du tout, non. Parce que pour moi, barrelté, c'est tu montres l'avant de ton bateau. Attends, je fais demi-tour. Par contre, moi je commence à être low en HP, les copains. Ah bah, on va sortir le Shira. En fait, on a. Attention aux torpilles, hein. C'est hard de faire une embuscade quand on a une moins bonne dissimu que les bateaux qu'on doit embuscader, c'est hard. Tiens! Avion abattu, c'est bon. Problème réglé. Bon. Aïe. Bon, je les ai sentis venir celle-là. Elle est pas les autres. je suis bien, regarde, je suis large, je les touche. Ah ouais, bah, c'est bon, bon c'est GG. Bon. Fameux module de l'accélération boostée. Pour mieux faire de genre petit move. Je suis mort. Écoute, t'as le spot. Non, peut-être pas. Ah, les obus. Attention, le Benson. Utilise mon cadavre au pire pour. Non. Nice. Bien, bien, bien. Ah oui, eux ils font leur. Ah, j'ai touché le Mogami avec une torpille, les copains. Il a utilisé sa réparation parce que ça ne tique pas la flottaison. Donc si vous le mettez en feu, ça va tic. Il y a l'admiral. People, il était dit là. Under, oh, c'est mal. Il y a un Kagero là-bas. Le Kagero, 4 kills. Hein. Bah, il nous défonce, hein. Le mec un peu trop patate quoi. Oh putain. Aïe 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 aïe. Ah mais t'as aucune chance si tu peux pas te servir de ta flotte. Ou il faut qu'on les attende plus haut alors. Plus près ouais, de nos bateaux. Faut qu'on fasse une embuscade plus proche de le reste ouais, de la flotte. En fait, c'est... Parce que là eux ils font une. Des américains qui a mis casé hein. Bah surtout si le fuseau de chez eux fait demi-tour et revient en arrière, alors là on est foutu quoi. Bah c'est-à-dire que là nos pauvres gars ils font ce qu'ils peuvent mais ils sont beaucoup trop loin ouais. Ouais, ouais. C'est ça le problème. Ou alors il faut les attendre en haut. Effectivement. Attends, il faut les attendre en haut. Bordel ouais. Bon, eh ben... Bon après il avait dit que c'était un essai la première, il faut corriger oui. Le placement après. C'est la game de chauffe, ça veut rien dire, voilà. Eh mais ils ont pris des dégâts quand même de battleship. Quelques dégâts. Ouais un petit peu. Et le décès. Eh ben... Ouais, mais du coup... en fait, le reste de la flotte, ils sont derrière l'île. Ah ouais, c'est ça le problème. Mais, j'adore, pourquoi vous avez attiré vers nous? On n'est pas des bergers, hein. Sinon, les cocktails sont bons, ça y est. Vous nous ramenez un peu de sable fin? Ça y est, ils avancent maintenant, du coup. Plus le choix. Astra, je croyais que c'était de faire des allers-retours sur la ligne du haut. J'ai rien compris. Bah, si, c'était ça en théorie. C'est peut-être nous qui sommes trop descendus, remarque bien. Je pense que c'est ça en fait. Ouais, oui. On aurait dû lâcher nos torps, faire demi-tour et remonter jusqu'aux autres peut-être. Ouais. Ouais. Parce que là en fait on est allé dans leur base en fait. C'est limite si on les a pas pris. Mais tu veux tirer sur quoi, Patton?
c'est bien. Il manque la crête de l'île, en fait, c'est pour ça. Et puis les avions de Rex, c'est gênant. Du coup, bah non. C'est pour ça, je pense que j'hésite à prendre le consommable boost de DCA. Pour clear le ciel, et comme ça, on peut être plus discret. Je l'ai, moi. Hein. Je vais le laisser, parce que j'ai pas envie de dépenser pour l'enlever. Pour l'enlever ? Tu dépenses rien pour enlever un consommable ? Pas le consommable, pardon. Ah non, je parle pas du module, je te parle du... Moi, je te parle du consommable. Bah non, les modules... Moi, je touche pas, j'ai mon build, je touche pas. C'est-à-dire que là, le pauvre Fuso, il prend tarif. Hein. En tout cas, le Kagero qui a fait la game. Hein. Alberich là. Orléans va avoir du mal à esquiver. Non, t'inquiète, ils en prennent qu'une. Hein. Ouais, et... C'est les torpilles du Kagero, quoi. En même temps, je sais pas si vous avez remarqué, mais les 4 destroyers, ils ont tellement bien smoke qu'on voyait plus rien. Oui. Ouais, même spawn. New Mexico qui spawn toujours à l'opposé de là où il doit être. En train de regarder les pertes japonaises, ils ont pris cher hein. Pendant la bataille du Golfe de Leyte. Ah oui, le Golfe de Leyte, ouais, putain. 10 croiseurs, 3 battleships, 3 carrières. Ça pique. C'était surtout les pays américains qui les surpassaient de très loin, donc. Pas grand chose. Magnifique manœuvre en synchro, le Benson. Comme quoi? T'as pas vu, on a tourné au même moment en parallèle. Par contre, on va éviter de mourir en même temps. Ah oui, ce serait pas mal, ouais. Ça va, entre nous deux, il y a le Fletcher. Il peut même passer devant. Ah oui. C'est pas impossible. Allez, comme ça, ça fait un V, c'est joli. Bon, Olive, tu fais la même, hein. Tu meurs en premier. C'est ça, ouais, non. Je vais intervertir avec toi, ce coup-ci.
Non, non, un Fletcher en premier. Quel con. Ah, ça va pas la smoke. Allez, on smoke aussi. Youhou. j'ai foiré. Je voulais leur écrire, enfin regarder le chat et... Putain, elle est large ta smoke, dis donc. Hey. T'as des jeux plus 1%? Ouais. Parce qu'en général, quand je joue, j'aime bien smoke les pièces, enfin les bateaux plus lourds que moi. Genre les croiseurs, ou trucs comme ça. Ça marche moins bien maintenant. T'as pas beaucoup de mal, il doit pas y avoir bien beaucoup de bateaux moins grands que toi. Non mais genre, tu sais, les croiseurs légers type les croiseurs britanniques. Ouais, je préfère smoke les croiseurs plutôt que ma tronche. En général. Elle étouffe l'équipage. Bah elle est bien grande la smoke. Bah mais c'est pour ça. Et encore j'ai avec Jack Dunkerque, c'est le commandant spécial britannique, c'est plus 30% la taille du truc. Et là tu peux vraiment cacher plein de monde avec une smoke. Ah oui, carrément. Bon, on y va, ça fait bientôt 5 minutes. Bah, ils ont le temps de se placer, les cuirassés, le temps qu'on leur amène un spot. Allez, go. On aurait pu attendre une minute de plus, le temps que la smoke surcharge, non? Let's go. Oh, t'inquiète, moi j'ai dans 90 secondes, t'inquiète. Toi, t'as qu'à prendre des smokes de Panasia, alors 45 secondes et les recharger. Ouais, mais elle dure pas longtemps. On peut pas tout avoir. Putain, je suis déjà localisé quoi, sérieux. D'ailleurs, vous avez du monde de ce côté-là, apparemment, donc. N'oubliez pas de revenir. On va essayer. On dépasse pas les canaux de gauche. Ok. On va envoyer nos... Enfin, j'ai envoyé un jeu de torp, moi, sous peu. T'en avances pas, on spot pas. Hein. Attends, nous, de notre côté, ouais. Les trois, si jamais on peut les attendre. L'île à droite. On fait le tour de l'île à droite, on se planque un petit peu. Tu veux dire, genre, on se met par là? Kagero, ils sont déjà là. Hein. Ouais, bah ouais, justement, c'est ça le problème. Bah, laisse-les venir. Vous voulez pas revenir par le dessus de l'île? Vous voulez les laisser venir, en fait. Hein. Là, c'est le truc. Non, là, on risque d'être trop exposé, non? Le spot. Okay. Il est là, le Kagero, il est juste là, il est entre les deux îles. Ok. Il a fumé. Derrière l'île, ouais. Pire, on essaye de mettre une torpille, genre. Alors, comment vous dire? Là, je parle pour ceux qui sont les trois en bas. Hein. On met une petite save de torpille vers le milieu de la carte et on se replie vers le nord. En blind, ouais, faites un peu de blind. Ouais, genre, tu sais, l'espèce de petit creux qui a en. Torpille, yodim. Qui est en F4, F5. Ouais, putain. Deuxième jeu de torpille. Ah, là-bas, ouais. Ah, cette fois, ils ont pas envie de se faire prendre par surprise. Ah, j'en ai un aussi de mon côté. Oh, j'en ai encore un sur la bouche. Oh putain! Ah, ouais, c'est bon, tout est esquive, GG. Pas eu de mort pour l'instant? Non. Non. Enfin, je veux dire des dégâts quoi. Non, ça va nickel. Bah, du coup, on est plus attentiste donc, forcément. Ça va être assez long la bataille.
Je larguais vers le milieu, avec un peu de chance, le Fuso va pas s'arrêter, mais le Miyoko va peut-être se les prendre. J'ai lâché entre les deux. Ouais, je pense que c'est pas mal là. On a tous lâché au même endroit quoi. Ouais, mais c'est pas mal. Est-ce qu'on attaque le Mogami parce que là on... Je te smoke, Skid. Tu fais le Mogami. Essaye. Allez. Je reste dehors pour scout. Ok. Vous tous les deux, comme ça, on fait chacun son tour. Un qui scout, deux qui tire. Il a caillout. Ouais, il a beached. Le pauvre Mogami quoi. Ouh, la petite torpille qui fait mal. Ouais. Oh, inondation. Ouais. Incendie et je lui ai détruit un système torpille. Ah, il y a des. Ah. Ça, fallait s'y attendre aussi. Il y a le Shiratsui, ouais, juste devant les deux battleships ennemis. Il essaie de smoker le fuseau, on dirait. Je crois qu'il s'est arrêté juste avant. Non, le fuseau a tiré dans la smoke, il va disparaître le fuseau. Le fuseau de Thibaut. Je torpe la smoke. J'essaye de m'approcher à moins de 9 km pour torpiller. Moi je suis en pente sous 9, donc c'est pour ça que je permets. Ah, y'a le Kuma derrière. Bah, y'a le Kuma, ouais. Mais si on peut détruire les battleships, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Ouais, justement. T'inquiète, je tourne, je me prends pas des torpilles. Oui, excuse-moi, j'ai envie de prévenir. Non, t'inquiète. Fuseau a pris une inondation. Torpille, inondation. Celui de Thibaut ou celui de Rasputin? Ah, je suis détecté. Je suis détecté, Olive. Ok. C'est le Kagero, mais je crois qu'il s'en prend une. Il se prend une torpille, ouais. Bon, je sais de l'achever. On tire, on tire. De toute façon, détecter pour détecter, autant dire. Ouais, tout à fait. Un feu. Nice. Ouf, la violence. Oh, celui-là, il a pris cher, ouais. Ça va, choucroute? Ça va. Je suis en train de cramer. Ben, je vois ça. Ça va. Problème, nos problèmes. Il y a toujours un dé dans le coin. Ah non, je suis dans la merde là. Ah, je veux plus manœuvrer. Putain, non. Le mur. Oh shit. Je spot pour. Ah non, le New Orleans, il me voit pas. Oh non. Daguerro. Attends, Fletch, on se gêne un peu là. Bon, je torpille au pif pour les DD au cas où, mais
En fait, c'est eux qui font mal. Hein. On va essayer de choper le Kagero, je pense. Ouais, je suis d'aller dessus. De toute façon, je suis radio-located. Donc, J'ai fait sortir vos cruisers et vos battleships de la zone, ils peuvent intervenir plus loin du coup. Ok. Merci. Ah, mes torpilles ont touché un truc. Pirate qui vient. Ouais. Ah merde, désolé. Désolé. C'est pas grave. Il s'arrête, le Shiratsu. Ah bah ouais, il a plus de moteur. Ah, nice. Il a réparé le moteur. On nice, c'est bon, il est mort. J'ai des torpilles endommagées, donc dans 15 secondes, je peux tirer une salve de torpilles. La torpille devant... Non, ça va, tu la prends pas. Alors je la place normalement. Ouais, c'est ça. C'est pas par contre, je pense que l'Indianapolis ou le New Orleans peuvent s'en prendre. Non, c'est bon, ça esquive. Oh! Calguero. Il survit le Kuma. Bah c'est parce que personne lui tire dessus. Ouais, je pense qu'il tente de se regrouper un peu là. Il reste 800 PV au Kagero. C'est bon, là il est mort, 300 HP non? Nice. Là, ça, ils essayent de se regrouper un peu là. Y'a plus de DD déjà. Ouais, par contre, le Kuma et Myoko ont quand même des torpilles dangereuses. Hein. Myoko, il lui faut un sacré angle pour torpiller quand même. J'ai mis une attaque de torpille sur le fuseau, mais évidemment il tourne. Je vais croiser les torpes avec les tiennes. J'arrive. On tape le fuseau. Ouais. De toute façon là ils ont beaucoup trop de cibles sur lesquelles tirer donc ils vont, je pense pas qu'ils focus. Oh les torpilles, oh le mec. Oh le pauvre fuseau. Et c'est un décès en direct. Oh le mur. Attention. Ah, j'en ai mis une. J'en ai mis une aussi. Ah il s'en est pris deux. Bon, c'est pas mal hein. Pas de flottaison par contre pour moi. Ah peut-être le Kuma derrière. Ah non. Le fuseau est mort. Attention aux torpilles du Miyoko. Ouais. Oh là 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 là. Kuma toujours en vie effectivement. Alors qu'il a presque autant. Alors qu'il a presque autant d'HP qu'un destroyer quand même. Ah là, par contre, elle a pris cher. À l'Indianapolis ça fait mal. Hein. Bon, ah, c'est plus qu'un Aguro. Attention torpille. Le New Orleans qui ah mais ils sont pas dans le même chadel, putain, c'est vrai. Ah non. Oh
Oh, bien joué, New Orleans. Nice, le torpedo beat. Il a bien esquivé. Ah ouais, bon, par contre, il s'est pris les tirs. Ah, pas tout à voir. Je sais pas ce qui lui aurait fait le plus mal, la torpille ou le tir. Je pense que la torpille, il aurait pris tarif. Hein. Oui, c'est clair. Un feu sur la goro. Allez, on va être un peu teamplay. Je suis en mode vue porte-avions, c'est magnifique. Bien joué. GG les gars. Oh, c'est dégueulasse. Ok, le jeu a crash. T'as juste le temps de revenir. Tu peux te reconnecter ? Sur les parties personnalisées ou pas ? Oui. Pauvre Kuma. Ouais, mais il a pas été ridicule, le Kuma. Hein. Ce qui est pratique dans un warship, c'est que les petits tiers peuvent encore se démerder assez facilement. Ouais, ça c'est pas mal. Après, ça dépend du bateau surtout. Parce que t'as des, y a des tiers 4 type Karl Schroe par exemple, c'est pas un bon moment. On a une tactique. Chargé ! Ouais. Bah, des spots et puis les autres couvrent, hein, de tout. Hein. Vous voulez faire quoi, une attaque ou une défense de base ? Parce qu'on est en supériorité numérique quand même. Effectivement. De toute façon, moi, perso, c'est les îles, mes meilleurs amis. Après, en fonction de ce qu'on verra, déjà, il faut savoir comment eux attaquent. Moi, je dis qu'il faut former la tactique autour du bot. Le bot, il est gros, il est lent et il va aller tout droit. Donc, on va faire les gros et les lents tout autour. Il y a un Fuso qui est déjà... Ah oui. Mais c'est Fuso. Hein. Il a tiré, non ? Ah, Yoko. G3. Oh putain, j'ai pas d'HE. Ah, ils sont pas drôles, ils apparaissent avant que j'ai mes torpilles. Je ralentis, est-ce que je tire sans être vu là avec la l'île. Profite. Oh putain, il accélère, le con. Ah, ils vont défendre, ils se mettent en position pour défendre. Les deux fuseaux bien loin là. Ouais, ça. Et bon, je reviens. Ah, le bot Kagero. Ah, ça y est, je suis vu. Et alors, hein. De pauvres, ils vont le laisser. Ah, je suis détecté. Ah, premier DB. Couvre Dimlan. Bon, j'ai de la chance, c'est que j'ai des meilleurs canons que lui. Barre cassée sur le Kagero. Ah, putain, il passe derrière, je peux pas le tirer dessus. T'inquiète, je vais tenter de le finir. Il a que 1000 HP, donc ça devrait le faire. Bien joué. J'ai même pas besoin de le faire, c'est génial. Quel professionnalisme. Yoko est hors de portée. Le pauvre bot. Ah oui, le bot il est déterminé là. Je vais 4. Le Fuso m'a engagé. Torpille à tribord, mon côté. Ah bah y'a que le bot qui peut s'en prendre. C'est quand même un peu moins organisé. C'est quoi ce mur là? Bah. C'est le bot. Deux Kagero. Y'a le Kuma. Bah le Kuma c'est pas 7 km maximum. Trop de torpilles. Putain le bot il a réussi à éviter les torpilles. Avion de reco, il y a un avion de reco. Eh il est toujours pas mort le bot. Non, il fait de la résistance. Oui, il est dans la smoke. Ah j'ai raté le Kuma. Ouais, ça campe quand même un peu dans leur base. Hein. Ah oui. Voilà, il va se prendre une torpe. Hein. Sinon, ce serait pas drôle. Hein. Bah, déjà qu'on a inversé les rôles, c'est quand même censé. Ouais, enfin, on est plus nombreux et en défense. Là, il y en a un deuxième. Je crois que j'ai pas sur mes torpes, pas sur mes torpes sous côte. Je t'ai pas vu arriver. Ouf. Heureusement, j'ai eu le signal, c'est bon. Momo qui est en marche arrière. Kagero. Ah. Mes torpilles elles vont droit. Je smoke le New Orleans. Ok, merci. Oh, torpille, on approche.
Je fais une grosse smoke comme ça, ils savent pas trop où tirer. Ouais, ouais, et puis si je peux aller sur la gauche, je peux peut-être mettre le radar sur le Kagero. Eh bah, on va faire ça, écoute. Je te fais un petit chemin de smoke. Merci. J'ai pris cher. Je reste dehors pour scouter et pour prévenir le torpille. En train de vous scout, allez-y. Ouais, j'ai le sonar encore. Il est là, il est visible. Quelqu'un a renseignement. Il y a du passeur de portée de ton radar. Il est hors marche arrière. Il y en a un autre. Attention, torpille. Ouais. Torpille. J'avais pas vu qu'il y avait toute la flotte qui me regardait. Torpille et gouverne. Sur le Miyoko, ils sont pas mal. Bac et torpille. Merci, Thunder. Je suis repéré. Dédé est toujours dans le coin. Je décroche. Oh. Excusez-moi. Excuse-moi, mais New Mexico. C'était un petit peu... Il en est où, notre bot? Ouais, il avance. À sa vitesse, quoi. C'est un New Mec. Pas trop vite. C'est petite vitesse, grande lenteur. Oh. Attention, dans la smoke, il y avait du monde. De toute façon, lui, il a que deux vitesses. Lent et encore plus lent. Le Shira. Non, il a l'arrêt aussi. Ah oui, ouais. Il a pas mis de camion. Purée. Oh. Oh, elle pue. Plus qu'un DD. J'ai un DD devant moi parce que je suis... Entends les pauvres destroyers à chaque fois qu'on les voit, on les focus. 34. 30 secondes moi. Une New Orleans tout à droite là, j'ai un DD dans la zone. Ouais. Il est là près de l'île là. Ouais mais c'est justement, c'est moi le radar dans 30, tu l'auras avant moi en cas. Ouais je l'aurai avant toi. Je fonce en plein milieu. Ah merde, je t'ai pas vu. Pousse de moteur. Ah Bounia est trop loin. Attention les torpilles. Citadelle dans fusion. Bah le bot lui est plein derrière la montagne, il est bien. Dédé n'est plus dans sa smoke, la smoke a disparu. Ah non, il est à gauche. Il est à gauche du New Orleans, enfin en face de moi là, je vais te le pinguer. Ah oui, oui, c'est bon, il vient d'apparaître, il est sur la cape. Oh, je dirais, il y a toujours un avion pour me repérer. Hein. Bye. Et coupe ta DCA. Non, c'est quand je tire. Ah. Quand je tire, qui me repère. Ah, désolé Olive, mais je crois que ton décès. Ah non, oh là là, l'ouverture. Elle gère. Kagero en marche arrière, non, ça se passe. Elle gère, dommage. Moyen. Belle esquive, vendu. Ah, désolé. Olive, faut que t'ailles mourir à nouveau. Le DD est dans la smoke, c'est historique. Ça historique. Oui, oui. Ouais. Oh, c'est ouais, historique. Hein. J'ai radar s'il faut. Ah, mais vas-y. T'es loin, hein? Non? Bah, je l'ai mis. J'ai mis l'hydro, moi, je m'approche de sa smoke. Je tourne les canons vers la smoke. Non, ne serait-ce que d'avoir deux de plus, c'est beaucoup quand même quand tu regardes. Ouais. Puis surtout, enfin, les navires, c'est pas les plus hauts tirs chez eux. Hein. Votre tir, on est au-dessus. C'est bon, je le vois. Attention, okay. Torpilles qui partent. Ouais. C'est sorti. Les torpilles, attention. Bon, allez, on cap. Allez. Ah, mais ils sont encore en vie, les deux fuseaux. Oui, je m'en occupe. Oh, putain, il pleut. J'ai Mogami, par contre, ça m'intéresserait. Ouais, je le taquine un peu. Je vais tenter d'aller à corps à corps avec Rasputin. Bon, j'ai fait un peu de livraison de missiles sur un fuseau là. Ouais, il est bien amoché. Ouais. Toi aussi d'ailleurs. Je devrais en mourir peut-être, mais lui aussi. Allez, Olive, allez. C'est ton destin. Allez, Olive. Cours, petit homme, cours. C'est quoi ces japonais qui fuient là? C'est pas dans leurs habitudes. Il est où le runner là? Ah bah voilà, c'est il est où leur petit bandeau sur la tête là? C'est
demande où il est le runner. Ah merde, en plus je t'ai piqué qui? Oh le gamin. Et voilà, le Fletcher qui roleplay. Ah c'est bien ça. Bon ça y est, Fletcher, voilà, historiquement, il est mort. Je me suis sacrifié. Oh putain. Oh putain. Oh il est beau Polo. Belle esquive choucroute. Tout droit. Continuez tout droit. Toujours tout droit. Commandant suprême Yamete. Vous voulez pas sortir de la cape quand même que, qu'on les finisse? Faut que vous les finissez. Ouais, c'est trop... ouais, tant que vous sortiez, c'est trop tard. Bah, certains sortent, que certains sortent. Je pense qu'il y en a qui ils sont peut-être morts avant, non? Le fuseau il se cache bien. Hein. Il m'a décapé, Rasputin, c'est bon. Ça les fait revenir. Ah, il a réparé Rasputin. Donc si vous mettez du feu, ça va tiquer. Et je vais aller le torpiller. Plus de dégâts, plus de, d'XP, etc. Quoi. Je vais le torpiller. Hop, sorti. Ouh. Hey, on a encore notre bot, hein. Mmh. Eh oui, il fait toute la game. Oh, oh, putain, merde. En même temps, t'as vu où il est? Pourquoi le chef me regarde? Ah non, ah non, mais te tourne vers moi, mais non. Mais t'es pas drôle. Ah bah si, et il est pas fou. Et prends-le. En général, quand t'as un kid à 2 km de toi, tu sais qu'il va te torpiller. Donc. N'importe quel DD fait ça, tout de suite. Oui, de toute façon. Je peux les prendre. Oh, le kid style de l'enfer. C'est pas beau. Je suis désolé.